Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, 14 février, jour de l'amour. Dites-nous, comment est-ce que vous avez prévu de passer cette journée avec les personnes que vous aimez, mais aussi, avez-vous prévu des cadeaux? Au sorti d'ici, après le travail, je vais vers ma petite famille. Et puis, comme de coutume, il faut toujours honorer les femmes, les mamans. Les femmes, ce sont nos mères. Vous voyez, donc, on a le devoir de faire toujours un geste qui le marque. Vous voyez qu'aujourd'hui, à quelle occasion de la fête de Saint-Valentin, c'est obligé, c'est obligatoire. J'aime les trucs qui marquent, c'est-à-dire que je vais lui offrir une paire de chaussures, une paire de talons que je n'ai jamais acheté. C'est une surprise, elle ne s'attend pas, elle est à la maison, moi je suis là. Quand j'arrive, bon, après, bon, elle va forcément demander, mais où est mon cadeau, tout ça. Bon, je dirais, maman, tu connais la chambre, non? Oui, va juste derrière, là. Là, moi, Alain, tu vas voir ton cadeau. Je suis en couple. Je n'ai pas prévu des cadeaux pour monsieur parce qu'il n'est pas là. Moi, j'ai prévu passer cette journée au travail, en soirée. Je vais rentrer à la maison. Je vais partager un verre avec ma tante. Bon Saint-Valentin, beaucoup d'amour, prospérité, bonheur. Mariage aussi, hein. Parce que ce n'est pas seulement juste passer la Saint-Valentin après se séparer, non? Longue vie aussi à eux, à nous tous. Bonne fête de Saint-Valentin à tous. J'aime ma femme. J'aime ma femme. Très, 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 très bien. J'aime ma femme. Aujourd'hui, on doit passer la soirée ensemble. Donc, normalement, je dois lui offrir un cadeau ce soir. Je suis pas en couple. Je souhaite aux amoureux qu'ils continuent dans leur amour et que ça se passe bien, en fait. Que ça se passe bien aujourd'hui. Je souhaite une bonne soirée à tous les amoureux. Rappelons, chers internautes, que cette fête de l'amour concerne toute personne qui se sentirait aimée ou encore voudrait donner ou prouver de l'amour en cette journée du 14 février. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur News Live.